Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien de Fanrun et comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver pour un épisode de Trèfle, c'est très rapide. Alors, vous vous souvenez du Evo? Bah le monsieur qui me l'a prêté, il est là. Et à chaque fois qu'il vient, c'est marrant parce qu'il me... Il me sort des trucs de dingo. Alors, ça c'est le HS Product VHS... VHS, vous vous foutez de ma gueule. VHS 2S. C'est bien, on va pouvoir mettre les cassettes Disney dessus. Bon, donc c'est un bullpup qui ressemble effectivement au FAMAS, oui, on va pas se mentir, hein. Je pense qu'il y a une légère inspiration. C'est extrêmement sympa, là je viens de tirer 3 cartouches avec, 4 cartouches, je sais plus. Extrêmement sympa. Alors c'est lourd, mais putain qu'est-ce que c'est lourd, combien tu m'as dit? 3,6 kg sans optique et sans poignée. Oh putain, 3,6 kg, d'accord. Bon, c'est bien. Si j'avais voulu tirer avec un 1777 d'infanterie, là, j'avais ce qu'il faut. Hein. En bullpup, il a une particularité, il a la crosse réglable. Ah, c'est bon ça! Ah oui! Ah, c'est bien ça! Donc, en tout, des pieds, ressort, il est plus long qu'une crosse de M16. Ah oui! Ah oui, effectivement, il est long, oui. Ah ouais, c'est rigolo. C'est rigolo, avec une lunette extrêmement sympathique. J'ai jamais réussi à lire cette merde. C'est Vire. Oui, c'est Vire. Ouais, Virefield. Avec une Virefield. Bon, bah écoutez, on va tester ça. Donc c'est du 223,556 par 45. Allons-y. Let's go. Ouais, ça fait très... Ouais, ça fait très bullpup, donc j'allais dire ça fait très Steerhawk. Oui, bah oui, forcément. Ouais. Forcément, bon. Armement est très cool. Hop là. Sans la sûreté, c'est mieux. Alors, utilisons le zoom, histoire de voir où je suis. Oh, ça va. Alors, ouais, c'est extrêmement lourd, putain. C'est vraiment extrêmement lourd. Mais, c'est une des meilleures queues de détente de bullpup que je connaisse. Ça, je dois admettre, c'est extrêmement sympa. Très rigolo quand même, ça je dois admettre. Recul extrêmement doux, on sent vraiment rien. En revanche, excusez-moi, non, le poids, non, ça va pas être possible. Alors attends, je vais me mettre un tout petit peu plus fort et je vais tenter d'aller un peu vite, mais alors sur mes cibles de 2,5 là, c'est quand même. Fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule! Ah! Bon, désolé, je t'en pique encore trois. Garde! Bon, alors, je disais! Ah. C'est un miracle que la caméra en ait pas pris une dans l'os! Oh putain! Ouais, non, c'est très sympa. Maintenant, de là à dire que c'est facile à remettre en batterie, faut peut-être pas exagérer. Là, en dessous, il y a le levier. Au niveau du puits de chargeur, juste derrière, il y a un système qu'il faut pincer pour remettre la culasse quand il est bloqué. Donc, je suppose que ça marche comme ça aussi. Ah non. Non, faut mettre un chargeur et bloquer la culasse en arrière. D'accord. Donc là, oui. Là, oui. Mettre un nouveau chargeur et pincer. Là, on pince. Ah ouais! Ah ouais, donc c'est vraiment... ouais, c'est cette main-là qui sert à toutes les commandes, en fait. C'est ça. Eh ben, ouais, franchement, chez HS Product, là, ils nous prennent pas pour trop pour des cons. Étant donné le cas, je suppose que c'est Schleu.
C'est croate. C'est croate, c'est pas grave. C'est presque chleu, on va dire. Oui, non, c'est rigolo, avec un emprunt de gaz réglable, c'est... Ah ouais, non, ça c'est très bien. Bon, alors, c'est extrêmement lourd, ça, c'est, j'admets, ça va forcément le gréver. Mais on sent pas grand-chose, c'est un recul, mais alors, très progressif, très mou. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, en soi. Parfaitement ambidextre, visiblement, il y a moyen de changer la fenêtre d'éjection de sens. Oui. Non, ouais, c'est... Oui, pourquoi pas. Et je suppose qu'il y a... Ça, j'aime bien. J'aime bien quand les flip-up se flip-up. Ouais, non, ça, c'est rigolo, ça, franchement. Ça a un peu une gueule de... Bon. C'est un espèce de mélange entre le FAMAS et une G36, un peu. Un peu, oui, j'aurais pas dit ça, personnellement. J'aurais plus dit entre un Caltech et un FAMAS, mais... Aussi, ouais. Ouais, mais bon, on l'a très bien en main. C'est très contrôlable, très encadrable. J'ai pas tiré comme ça, mais... Oui, bah globalement, c'est sans doute pareil. Hein. Ça, c'est rigolo, ça. Bon, eh ben écoutez, je vous remercie tous d'avoir suivi ce petit épisode. Merci infiniment à toi de m'avoir prêté cette petite chose. Et puis, bah, ma foi, je vous dis à très bientôt. Ciao! Ah, ouais. c'est rigolo. C'est rigolo. Je l'avoue.